Une pièce de 94. Ok, les commandes sont dégueulasses, j'espère que tu vas t'y habituer. Ok, c'est une bonne idée ce que tu me donnes. Tu vas voir, c'est horrible. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Où est le commandant? Ah ouais, c'est déjà le bordel, j'ai même pas. Ah, là. Ah non, c'est direct dans le jus. Hein. J'en ai rien à battre. Les hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Là, t'es rendu où? Je sais pas, je suis en train de trouver des indices. Ok. Ah, ok. En vrai, c'est l'analyse de fou. Je pense que si t'appuies sur L2, t'as des indices, je pense. Ça c'est quand je suis pas comme ça, genre, parce que ça marche pas. T'as dit quoi? Ça c'est quand je suis pas comme en mode analyse. Ouais, non, non, ça c'est... Là t'es déjà en train d'analyser, c'est quand tu marches. Quand tu... C'est là-dessus. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais compris la scène. Comment il saute, il se tire dessus? Pourquoi tu sautes? Au lieu de se cacher, il tenait quelque chose. Ouais. Ah, il est là. C'est ça? L'iPad. J'arrive pas à l'avoir. Mais par contre, t'arrives pas à l'avoir. Ah, ok. Attends, il doit y avoir quelque chose que j'ai raté. Ah, faut que tu m'aimes. Ah, c'est ça. C'est stupide. Ouais, là, c'est vraiment stupide pour rien, là. Déverrouillé. Daniel Andréade allait être remplacé. T'as vu comment c'est bien? C'est plus ça avance, plus... Et là, t'as vu ta jauge en haut à gauche? Ouais. C'est tes chances de réussir, bah ton pourcentage. Fouiller la chambre de l'otage, examiner les victimes. Ça sert à rien. Non, vraiment pas. Bah tu peux, mais si tu fais L2, là tu devrais avoir des indices devant toi. Tu vois, genre t'as le policier à terre, t'as des empreintes. Balle au cœur. Décédé, c'était sûr. Il bouge pas, il respire pas. Il doit avoir une arme, mais... Là, tu dois bouger la caméra. Parce que fais comme si t'analysais. Tu dois toujours regarder autour de toi. C'est complexe. Ouais, quand même. Il a échappé son gun en dessous de la table. On pourra prendre le fusil. Les fusils. Non, rien, on va prendre. Non, mais t'as pas cherché loin. Oh non.
fait distraction, puis boum, dans la tête. Ok, je pense que 75% ça passe, non? Ça devrait, mais après, ça, t'as des choix à faire là. C'est parce que tu peux le réussir à 4% comme tu peux le réussir à 100. Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez, allez, allez! Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi! Je viens de sortir de ce mauvais pas! Tu peux avancer si tu veux. Ah ouais? Ouais. Je ne vais pas te faire de mal! Je veux juste discuter! Et trouver une solution! Discuter? Je veux pas discuter! C'est trop tard de toute façon! C'est trop tard! Est-ce que t'es armé? Non! Hein? Je n'ai pas d'arme! Tu mens! Je sais que tu as une arme! Je te dis la vérité, Daniel! Je suis venu sans arme! Je sais qu'Emma et toi étiez très proches! Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal! Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aimait! Mais j'avais tort! Finalement, elle est comme les autres, c'est mal! Daniel, non! Il voulait te remplacer par un autre androïde, et ça t'a contrarié! C'est bien ce qui s'est passé! Je pensais faire partie de la famille! Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non. C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Okay. Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Ça se passe bien. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Bah en vrai j'ai envie de te laisser faire des choix. Il y a des snipers sur tous les toits. Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix. Oh. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Mm-hmm. Il n'en est pas question. Tu es une machine, tu dois obéir. Merde. Maintenant, j'ai pas le temps de répondre. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. Il va sauter. Oh wow, ok. Ah, ça va bien, hein? Bah, pour te dire, moi j'ai pas eu la même chose que toi. Pour te dire. Mais ça s'est juste foiré à deux questions de la fin, c'est tout. Non, mais moi aussi je me suis foiré. Mais d'une autre manière. T'es mort comment, toi? Bah, moi c'est les. C'est la fille qui est tombée aussi. Ta gueule, t'as mort, la fille est morte avec toi. Non, c'est Daniel et la fille. Moi je suis resté en vie. T'avais vraiment le pire Chuba qui pouvait arriver. Non, je les ai tués dès la première mission. Là, tu peux aller voir. Bah, tu peux pas aller voir parce qu'ils sont fermés. Si tu veux revoir les autres situations, tu dois refaire la mission. Mais ça te montre le nombre de possibilités qu'il y a. Tout ce qui est cadenassé, c'est toutes les fins. T'as vu, il y a 5 fins en tout.
6 même. Bah ici, je sais pas. Devient saute avec Emma, puis bah Emma meurt de t'as eu son barzol. Ouais, Emma meurt, moi. C'est un assistant ménager. Putain, moi je me suis dit, au moment qu'il était assez lent pour sauter, j'aurais juste tiré dessus, allez, mais il n'y a pas eu d'option de vouloir tirer. Moi je voulais tirer dessus, là. Dès au moment que l'arme était un peu de côté. Ouais, moi perso, j'ai même pas pris l'arme pour te dire. Ah ouais, t'as pas pris l'arme. Non. En fait, le problème, c'est que tu dois te mettre dans des yeux de chaque personnage que tu vas faire. Oh non, il y a Daniel. Là, tu vois, t'es... Ah, c'est... il est au fond. Daniel. Petite question. Si ça existe un jour, ça, est-ce que t'en achèterais un? En vrai, non. Ah, bien d'accord. Moi, j'en achèterais pas. Moi, j'en ai moins non plus. Ça fait tellement penser à iRobot. Hein. Tu connais le film iRobot? Ouais. Ça fait tellement penser à ce genre-là. Là. Mais après, iRobot, c'est parti mon couille. Mais poussé à l'hardcore. Ah non, merde. Je parie que je suis genre une femme. Et voilà. C'est comment une... Mate sa tête, mate sa tête. C'est vraiment d'être un gros pervers. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Bah, c'est un jeu narratif, c'est normal. Ouais. Alors, tu viens? Oui. Au pied. Ah ouais, c'est clairement ça. il donne un biscuit à la fin. Il a bien bille. Tu as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Ah. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. Ma bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Alice? Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper. Juste là depuis le début. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Oui, Todd. Avec plaisir, Todd. Je sais pas, je vais prendre un malin plaisir de faire chier Todd. Bonne chance, hein. C'est là que quand, tu sais, t'imagines, le robot, il y a un peu une conscience. Là, ils disent, quelle famille de merde que je suis tombé. Ah non, mais c'est clair. Quelle famille de merde. Ouais. Elle était vite quand même. Ouais, non. Ça dépend. Elle est efficace. Bonjour, Todd. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? Pourquoi il fait le mec mystérieux, là? Ouais. Pour lire les émotions des gens. Tu vois qu'elle se sent triste. Qu'elle veut dire quelque chose à son paternel, mais son paternel est trop un connard. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, papa, oh non, il écoute encore la télé. Hey Todd. Regarde mais la télé. Mais dégage de là, putain! Désolé, Todd. Ça se produira pas. Désolé, Todd. Excusez-moi. T'as pas eu à essayer mon temps, hein? Non. Ah, merde. Désolé, Todd. Toute petite merde de poil. Désolé, Todd. À chaque fois. Désolé, Todd. Désolé. Putain, là, c'est rendu Home Simulator, c'est rendu Become a Human. Fuck, man. Home Simulator. C'est Ménage Simulator. Putain, rapide. Ouais, elle est efficace, c'est ça que je dis. Elle est trop efficace. Bon, je me ouais. casse, je prends mes affaires et je me casse. Je me tire. Tu mets ça dans son camion. Ah, moi je le ferais tellement. Hey, monsieur, vous voulez des poubelles? Ah, on peut pas. Si je peux me faire frapper par un. Oh. Elle m'éviterait plein de trucs.
pas faire grand chose. Hein. Tu fais le ménage, hein? Ouais, je suis un robot. Attends, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il se drogue. Qui s'attend? Ouais. J'ai entendu genre. Ouais, c'est sûr qu'il est pas en train de boire de l'eau, hein. Ah, c'est sûr. Ah, il est en train de jouer? Il fait quoi, là? Je sais pas. Attends, qu'est-ce que je dois faire, là? Oh, merde, je vais pas faire le dessin. Attends, sérieux? Ouais, tu dois bouger la manette. Ah, faut que je frotte mon pavé tactile. Les touches sont horribles. Ah ouais, c'est vraiment vaisselle simulator. Ouf. Putain, je suis rendu encore à des oignons à cette époque. Les petits se disent non, pas la vaisselle. Est-ce que je pourrais appeler Todd Sonia, là? Elle s'en rapproche. Hein. Oui, clairement. Il y a le même look. Mais clairement aussi. Je sais pas si elle se fait de la méthamphétamine chez elle, là. Putain, pourquoi je dois encore faire la vaisselle? Sonia! Kara! Oui, Todd? File-moi une bière fraîche! Putain, Sonia! Oh, putain. Oui, Sonia, je t'apporte cette bière. Brasser la bière. Non, j'ai... Tenez, Todd. Ah, merde, je vais passer devant sa télé. Pourquoi il y a un chalumeau sur la table? Bah, c'est pour sa drague, j'en dis toujours la drague qui est là. Mais putain, il sort un chalumeau quand même. Vous savez qu'il y a de la fumée rouge. Tu finis le premier étage? Ouais. Ouais, tu dois appuyer sur X, non? Se présenter à Todd. Ah, je dois aller faire le jardin. Ramasser le linge. Ouais, c'est vraiment Home Simulator. Ouais. Pour te dire, ça arrive pas souvent, ce genre de truc, mais là, c'est pas le début. Hein. Non, t'inquiète pas. Moi, je voyais genre, tu fais, oh, c'est tellement un bon jeu, tu fais des tâches, mais non. Genre, non, les... Non, moi aussi, j'ai. J'ai bien pété un plomb quand j'étais en train de faire ça aussi. Hein. Ça fait penser au nouveau God of War quand t'es rendu à faire la partie d'Atreus. C'est long. Ouais, c'est horrible. C'est cette partie-là de God of War, t'es genre. T'es rendu en fait, t'as l'impression de perdre du temps. Ouais, exact. Puis-je te parler? Tu n'as pas école aujourd'hui? Tu as l'air de t'ennuyer. Tu dirais de jouer? Réponds, je te parle, ils ont split. Mais putain, je pute la gueule ou quoi? C'est ça. Ah, ça sent mal. C'est parti. C'est pas là qu'on fait ici, finalement. C'était écrit refaire la vaisselle, hein. Sérieux? Ouais. Fuck, man. Sonia, faut toute cam, là. Ah putain, faut vraiment que je fasse tout. Ok, non. Je pensais vraiment que... Faut que je fasse tout, genre, tu sais, faut que je tourne le bouton du truc et j'appuie sur le bouton. Tu sais, tout. Il fume de la Red Ice.
de m'énerver. Je suis désolée, Tom. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Tom. Il va se prendre derrière moi, c'est quoi? Il y a un détecteur. En vrai, faut que je me fie à leur détecteur sur le côté. Quand c'est bleu, c'est qu'ils sont corrects. Quand c'est jaune, c'est qu'ils sont confus ou ils réfléchissent. Quand c'est rouge, c'est qu'ils sont en menace. C'est la merde. Donc, Todd. Eh bien, si la prochaine fois vous mettez pas votre red eyes dans votre détail, je veux pas. Fais mets-la dans ta poche. C'est la mer où est-ce qu'on est supposé faire des tâches ménagères. Ah, skip la vaisselle. Est-ce que je fais la balayeuse? Ça va, on est en 2038. Putain, attends, ça va pas changer. Hein. Vieux match de hockey. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est un match de... Reste pas là. Les gradins sont vides. Tu fous le camp, bordel! Désolé. Je me remets au travail. N'ai-je pas le droit de regarder le hockey? Faut mal camp. Ah, j'ai pas besoin de la passer. J'ai non, besoin de l'appuyer. Mon dieu, le gars, il a trop la flemme de faire la balayeuse que tu dois appuyer. Ok, il a quand même la flemme d'aller chercher la bière. Mais par contre, pour savoir qui c'est là-bas. Immédiatement. Ça va, Alice? Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule? C'est parti pour le lire. Non, j'ai t'épargné ce détail, t'inquiète. Ah bah moi je les ai pas lus, ceux-là je les ai tous skip. J'ai bien avancé ici, je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Et si je suis dessus, veux que ça filme de même, c'est quoi? Ah non, c'est... Alice. Alice. Je sais qu'il faut jouer habillé avec elle, j'ai pas le choix. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle? On est déjà amis, c'est bien? Mm-hmm. Bizarre l'amitié, mais ouais. Putain, nul à chier cette peluche par contre. Credit card, rejeté, il doit être dette, il doit plein de dettes. En même temps. Allez, t'as la drogue. Je parle au deuxième? Yes. Là, tu dois monter à l'étage. J'essaie de monter à l'étage, mais mon personnage ne veut pas. Okay. Ah. Putain, je vais aller faire la salle de bain. Bien trouver des indices. Ouais. Merci de m'avoir aidé à trouver des informations. J'ai même pas pu voir c'était quoi. T'as fait tout ça toi? Ouais. Mon dieu, c'est chiant. Ouais. Non, là, le début c'est pas ouf. On dit que c'est le fantôme de la maison, Alice. Ah ouais, clairement, elle dit rien, elle fait rien. Puis... À chaque fois, elle passe dans le background. Des fois, ouais. Imagine, c'est ça le climfog, le comment ça, l'événement perturbateur, c'est que Alice est morte.
Et puis depuis tout ce temps, tu vois juste son fantôme. Le fantôme des Alice. Bouge-toi de là. Bon, je vais aller lécher la toilette. Direct après? Bien sûr. Une bonne sniff. De la red ice. Wow, c'était la gueule de la toilette. Putain. Est-ce que tu vois bien au moins ou est-ce que tu vois en... Tu sais, des fois, je me rappelle quand on faisait des jeux en partage avec Michel, c'était mal fait, hein. C'était gribouillé. Non, non, là c'est super clean. Ok, tant mieux. Après, bon, t'as vu la connexion internet qu'on avait avant? C'est vrai. Ça me ferait que... Mmh. Elle parle dans le miroir, fait... Puis, genre, comme ordre principal, c'est je suis une grosse chouin. Ouais. Oh mon dieu. Mais ça bug là. Mais normal, j'ai de la misère à passer la lumière. C'est à cause de ma manette. C'est mal fait. Ok. Comment elle frise, genre? C'est ça, c'est bizarre. Je dois y aller lentement sur ma manette. Parce que j'ai voulu aller trop vite. Non, prends le temps, tu fais le ménage. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas. Mais elle, c'est une crasseuse. Bah, tel père, telle fille, non? Exactement. Elle dit rien, mais genre, un moment donné, elle va parler, puis ça va sortir, genre, bouge de là, grosse pute! Non, rien. Elle va faire comme son père. Elle s'est retenue. Ben, j'aimerais bien arriver. Ouais. Oh putain de merde. Ok. Une échappatoire. Mm-hmm. Oh, des beaux dessins sur les murs. Ton papa va être fier de toi. Tu aimes lire, on dirait. Ta gueule. Je déteste ça. C'est papa qui donne des revenus pornographiques. Alice au pays des merveilles. Forcément. Ça veut dire quoi? Et apprendre la drogue? Le raccourci. Mais quoi, c'est une jeune fille qui prend de la drogue puis qui imagine des lapins qui parlent. C'est ça, Alice? C'est vrai. Putain, vu de ce point de vue là. Ranger la chambre de Todd. Mais j'ai rangé la chambre de Todd. Il est revenu la dégueulasser. Une seconde après, il est endormi en bobette dans son lit. Je dois juste arrayer la pièce. Ah, c'est parce que j'avais oublié d'arrayer la pièce. Fuck. Je suis une mauvaise androïde. C'est bon, c'est fait. Tout ça juste pour aller parler à Alice. Tâche urgente, parler à Alice. Bon, on va-tu faire ami, là? Tu lui casses le bras. Non, il fait... Amical. Amical. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Passe-temps. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Bon, voilà, laisse-moi tranquille. Okay. Tu as besoin d'espace, je comprends. Je te laisse tranquille. Merci, Caro. Moi, je l'aurais fait un interrogatoire, hein. Ouais. Contre le mur, bon. Contre le mur. Je te pète le bras, c'est une dérive. Tu m'as donné quoi? Oh, la clé du coffre. De la red ice. De la red ice. C'est le dealer du quartier. Ouais, c'est sûr. Tiens, Steve, c'était un bon coup, tu vas voir.
On va voir tous les souvenirs de Kara. Ah non, c'est sa mère. D'enfants. Mon dieu, c'est vachement bien représenté. Mais t'as vu qu'est-ce qu'il a dit lui au début? Ouais, qu'il s'est fait ramasser par une voiture là. C'était sûr qu'il l'avait battu. Juste sa gueule, ouais, c'était un batteur de fans. Ouais! Il n'y avait pas d'autres indices qui pointaient par là, là. C'est vrai. Bon, t'es où, vice-président? Je sais pas, je sens qu'il va se passer quelque chose si t'arrives en bas de il te plaque contre le mur. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y'a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Il a balancé la chaise, Lucas. Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Il y a 42% gros chiens qui ont pas fait la chambre de Todd. Non, mais... C'était quoi ici? Nettoyer la chambre de Todd, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, allumer la télé. Ah, oh, fuck! J'ai oublié quelque chose. Allumer la télé. Nettoyer les tâches. J'ai manqué quelque chose? Lécher la bolle de toilette. Brûler Todd. C'est vraiment le bout de plate du jeu. Là, oui. En fait, le problème, c'est que l'introduction des personnages, elle dure trop longtemps. Ouais, je pense que ouais. Mais en même temps, faut que tu comprennes un peu c'est quoi là. Merci, Marcus. Ouais. Sûrement, c'est qu'il vit dans avec un vieux riche, mais jaloux d'un enfant parce qu'il donne pas assez d'attention. Ouais. Puis l'autre femme, c'est sûrement parce que c'est une femme battue. Il va sûrement se passer quelque chose puis s'enfuir avec l'enfant. Ah, le jeu va se terminer dans 5 minutes. Tu trouves quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Je vais être dans le démarrage. D'accord, Carl. Puis Connor, lui, c'est plus l'enquêteur, mais qui est comme le plus divertissant, je pense. D'après moi. Tu m'as dit quoi, excuse-moi? Je pense que Connor, lui, c'est celui qui est le plus divertissant en termes d'enquête. Pour moi, ça l'a été, ouais. Ce que j'ai dit était-il crédible? Tu m'as dit? Ce que j'avais dit, est-ce qu'il était crédible? Par rapport à la théorie? Des trois, ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bon, t'as quand même beaucoup résumé. Mais si on le prend un petit peu comme ça, oui. Ça compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. J'ai rien compris. Lui, c'est un hater, c'est tout. Ah, il est là. Hanks. Wish Anderson. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux?
On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Ça devient J'ai intéressant. Pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. C'est un bâtard. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Lieutenant Anderson, je me dois de vous informer que je compte remplir un rapport concernant votre attitude. Et voilà. Ce n'est pas très gentil. Le noir derrière. Bon, on va lui offrir vous un savez quoi ? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous ? Barman ? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Deux secondes, je reviens, Anthony. T'as dit homicide ? Vous voudrez, lieutenant. C'est ça, comme je veux. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose ? C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. L'employeur nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier... Pour vol et voie de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Encore de cristal rouge. Vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ah. Le jour qui est mort. Ils ont pas du temps avant de react. Bah ça peut arriver parfois que si quelqu'un n'est pas très... On n'est pas vraiment d'amis ou trucs comme ça. Pour te dire... Ouais c'est sûr. Comment je pourrais dire?
suis comme un ami à mon père, tu vois. Ça faisait genre 4 jours qu'il donnait pas de nouvelles. Puis quand les policiers sont rentrés chez lui, ils ont trouvé qu'il s'était pendu dans son cabanon. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Ouais, parfois ça peut prendre du temps, mais... C'est sûr. Ce genre de truc n'est pas comme... tolérant. Mais... je sais pas. Mon père, il s'en... Chris, il s'en veut ça pas, a été mais écrit avec le sang de la victime. J'imagine. On prend des échantillons pour analyser. Son chum, je pense qu'il était gay, genre. Mais son chum, lui, il travaillait dans le... C'est quoi déjà? Il travaillait médecin, genre. Je sais pas. Il baille pas médecin, mais infirmier pour les cas de suicide. Puis mon père, il en veut en lui pour pas qu'il aille trouver qu'il avait comme les indices qu'il allait se suicider, genre. Ok, ouais. Mais il le cachait pas, peut-être? Ça arrive, il y en a plein qui le cachent. Ça peut arriver. Mais des fois, il y a souvent des indices. C'est sûr. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui est arrivé au gros, toi? Il s'est fait poignarder. Il s'est fait, a été poignardé. Il venait de l'accuser. Ça a été rapide. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Fallait le faire. Ouais. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Hey. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait. On prend juste un. Mon dieu, il est quand même bon comme enquêteur. Là. Ouais. Il trouve tout en 2 secondes. Tac tac. Quand j'ai lu, c'est drôle. Mieux. C'est mieux. Ginger, powered coconut. Intéressant. Il manque le couteau. C'est le couteau qu'on avait trouvé tantôt. Une des sessions. Solide blanc. Batte de baseball. Battait le truc. Il les bat tous. C'est ça. Ok, il a frappé. Puis lui, il s'est juste défendu. Je vois. Ouais, le dernier indice. Enfui. Ah ok, ouais, il s'est enfui. Toujours dans la maison. Empreinte de pas. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines.
découpe les empreintes en plus est facile. Ah, c'est pas bon, c'est non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout ouïe. Tout a commencé. Dans la cuisine? Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. C'est la victime ou c'est le robot de victime? Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose.
c'est sûr qu'il y a. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse! Un bec. Ça s'est bien passé. Ouais. Du coup, ça a donné quoi? Ben, j'ai pas mal trouvé tous les indices au point d'avoir trouvé. T'as trouvé l'android? Ouais, dans le plafond. Ouais. Okay. Tu l'as pas couru après, tu l'as pas plaqué ou quoi que ce soit? Non. Okay. Toi, ça t'a fait ça? Non, c'est. J'oublie la situation. C'est pour ça que je. Ok. Non, juste. Non, je pense. Moi, je l'ai juste trouvé dans le plafond, puis on l'a arrêté, je pense. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Faire la vaisselle encore. Non. Apporter le repas. Il t'a fait des spaghettis. Bon, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait plus grand chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon. Allume la lumière! J'y vois que dalle! Le problème, c'est qu'il faut dire une fois avant de crier. Oui. Arrête de remuer, nom de Dieu! Tu me tapes sur les nerfs! Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Encore? Qu'est-ce que t'as pris? Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri? Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp? Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros Tout est de ta faute. Papa, non. Tout est de ta faute, putain. Ah ouais. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Plus de repas. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Bouge. Zdeuf. Allez. J'avais dit que ça commençait maintenant. Ah ouais. On va le violer. Allez, viens là, ça
Il se téléporte ou quoi? C'est ça que je dis. Il se téléporte. Protéger Alice. Ah, j'aurais dû prendre une arme. C'est pour ton bien, Alice. Pour ton bien. Ça suffit! Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends? Non! Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu ou le rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique! Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Esquive! 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 Oh my god! Oh merde, j'ai eu ça. Je pensais pas faire jeter sa manette. Ouh. Hop! Bloc! Ish! Oula! Hop! Putain, je suis en pur stress là. Hop! Esquive! Mais donne un coup de poing, Kara, là! Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est quelque chose, là! Ouais, un kick! Ah, oh. C'est tout? Ouais, c'est profond, quand même. Merde. Oula. Cours, cours, cours. Oula. Mais attends, mais c'est... Je fais ce que je peux. C'est Michael Myers ou quoi, wesh? Esquive. Oh, il a la petite attaque. Attends, il est déterminé, mais il fait de l'UFC ou quoi? Oh, on va... oh, wesh! Là, je la fuis! Oh. Ah, il est un peu exagéré là. Allez, monte, 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 monte! Allez, Alice là! Je me tire. Laisse pas frapper. Prends le bus, prends le bus, prends le bus, prends le bus. Ah, ça va faire tout seul. Tu viens de me faire découvrir autre chose là. Ah ouais, toi ça s'est passé quelque chose. Ah, moi ça s'est pas passé comme ça. Hein. Moi Alice a tiré une balle dans la tête. Hein. Ah ouais? Ouais, moi Alice elle lui a tiré une balle dans la tête. À quel moment il y avait une arme? Je sais pas où est-ce qu'elle l'a trouvée. Ah non mais c'est... toi c'est plus stylé, moi vraiment c'était chiant. Ah moi c'était compliqué hein, tassais la manette à gauche, tassais la manette à droite. Wesh. C'était stressant. Mais à quel moment t'as trouvé une arme à feu toi? Je sais pas, c'est l'arme à feu de Todd. Mais Alice elle lui a tiré une balle dessus. Ah ouais. Moi je me suis juste enfui. Ah ouais, tout ça doit être ça là. Ouais je pense que ça doit être en bas. Tout esquiver, esquiver, esquiver. Ah, oh, j'aurais pu mourir là. Tu vois ici, ça c'est la mort. Ouais, ça s'est fini beaucoup plus rapidement là. Ah ouais, toi t'avais toute une patente de fer quand t'avais, si t'avais le gun là. Hmm. Mais le gun, je pense qu'il était où? Il était en dessous de son lit, je pense. Ça doit être sûrement ça. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. J'ai pas checké là. J'ai juste fait son lit, mais j'ai pas regardé. C'est ça que je te dis, c'est que je te laisse faire tes choix, mais en même temps c'est tellement stylé de les voir. Ouais, toi tu découvres des trucs, c'est intéressant. C'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends. Mais c'est fou pour le moment, on a à peu fait quelques trucs, puis on a jamais. Tout est différent entre nos deux. Ouais.
Ouais, mais tout était différent là. Toi, l'autre pute est morte avec le robot. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. C'est vrai. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Wouhou! Wouhou! Gosse bourré la gueule! Il fait des 360 avec le truc. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. C'est vrai. Bon, putain, l'alcool, c'est sûr que ça va pas t'aider, frérot. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Oh, oh. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Non. T'appelles la police et il porte ses couilles 5 secondes après. Ouais, c'est ça. On va t'emmener dans ton lit. Tét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 
L'androïde, c'était l'androïde. Ah ouais, ok, bah... Chose à con, moi aussi. Là, j'ai la même chose que toi. T'avais la même chose? Ouais. Tu veux que je te dise l'autre choix, c'était quoi? C'est quoi? L'autre choix, c'est tu pousses Léo, il se pète la tête contre le bar de métal, il meurt. Putain, et tu finis avec la police aussi. J'arrête de faire ça. À la place que le vieux pourquoi meurt. Pourquoi tu l'as buté? Ouais. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Qu'on fasse. Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Ouais, t'inquiète ça. Bon, il faut que je sois malin. La hagra, la hagra. Tu vois, c'est Connor qui commence à le tabasser. On va se la jouer sympathique. C'est vrai qu'il est amoché, hein. Ah ouais, il est bien amoché. Hein. Avec des coups de batte de baseball. On va essayer de dire la vérité, comme ça on va pouvoir... Attends. L'analyser avant. Batte de baseball qui a causé ça. Il est sans de la victime. Un coup de batte de baseball. Ah, des cigues. Ah, il se faisait mutiler. Mm-hmm. Ah, c'est dégueulasse. Il était nié les cigarettes sur lui. Ah ouais. Putain, je reviens. Faut que j'atteigne les niveaux de stress pour avoir des aveux. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi, quel est ton nom? Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense? Allez. Pardon, ça va pas que tu le stresses. Hein. Attends, mais ça dit qu'il faut que je le stresse pour qu'il me parle. Qu'est-ce ah que... ouais? Ouais. Ah ok, non, j'ai mal lu, ça veut dire. Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièces. Parce que oublie si pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein. S'il y a trop de stress, ils s'auto-détruisent. Écoute, je suis de ton côté et je veux t'aider, mais je ne pourrai rien faire si tu ne me parles pas. Tu vois, ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va mentir. Non. Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Ils savent que ton maître t'a maltraité. Ce n'était pas ta faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Je suis poucave. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Choisir l'approche. Y aller tranquillement. Je comprends ton émotion. Tu étais rempli de colère et de frustration. Personne ne peut te reprocher tes actes.
Écoute, je ne te jugerai pas. Je suis de ton côté. Je veux seulement savoir la vérité. Si tu gardes le silence, je ne pourrai rien faire pour t'aider. Pourquoi il change d'humeur demain? C'est pas ça que je voulais. Tu m'entends? Fils de... Mourir. Okay. 28 coups de couteau. Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? On va continuer. Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé encore et encore et encore. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. D'accord. Merde, j'ai pas eu le temps de répondre. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Fuck man, on retourne dans le même crise de fin. Ça me fait chier qu'il passe d'une humeur à l'autre. Ah non, mais là c'est... Je n'obtiens aucun résultat. J'abandonne. Non. Je vais dire qu'est-ce qui m'est arrivé à moi dans cette situation-là. Toi je pense que t'as fait trop de pression puis t'es suicidé. Oui, je veux dire, c'est encore pire. Ah ouais? Fini. Fini, fini. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi! Ne me touchez pas! Oh oh. Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi! Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Oh. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier! Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. Ça s'est bien passé. Mais ça s'est trop bien passé. Toi, il s'est passé quelque chose de mal? Regarde, moi, je lui ai mis de la pression. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, le garde, quand il est venu le voir, mm-hmm. il a pris son fusil, il a tiré une balle dans la tête de Connor. Ah ouais, ok, toi, fait que ton personnage est mort. Donc, du coup, mon personnage est mort et il s'est suicidé, l'androïde. Ah, bah, mais c'est à cause que Hanks m'a sauvé. Ouais, parce que tu vois, si t'avais intervenu, ouais. Non, si t'avais abandonné vers la fin, il aurait continué à lui mettre la pression, puis il aurait pris le fusil, t'aurais tiré dessus, toi aussi. Mais si j'aurais mais pas plus... été assez compatible avec Hanks, si Hanks m'aurait, comme, j'aurais trop été trop de cul avec lui, Hanks m'aurait juste pas protégé, puis j'aurais quand même mangé une balle dans la tête du policier. Aussi, ouais. Enfin, j'ai eu comme le bon choix, en théorie. Non, mais vraiment, t'as eu que des bons choix, là.